Qu'est-ce que vous appelez votre retraite exactement? Ce que j'entends par retraite, c'est rien glander, boire des canons et regarder les mouettes voler. Vous n'allez pas partir comme ça? Ah non, on va faire un pot, hein. J'ai prévu plateau de cochonade, côte de bœuf et puis vin à volonté. Hein. Vous vous rendez compte que vous êtes un chevalier de la table ronde? Alors, du coup, c'est le code qui coince. Je ne sais pas, moi. Enfin, le code voudrait qu'on meure au combat pour la gloire du Seigneur, par exemple. Ah ouais, mais non. Mais enfin, je ne vais pas vous retenir de force, moi. Si vous voulez vous barrer, faites ce que vous voulez. Alors, je peux quand même me barrer à mon âge. Mais c'est pas une question d'âge, arrêtez de me bassiner avec ça. Si vous voulez partir, vous partez, si vous voulez que je vous dise, moi. Du coup, c'est pas une obligation de rester. La table ronde, ça n'a jamais été une obligation. Eh ben, moi, je pensais que c'était obligé. Et puis, j'avais peur que vous le preniez un peu mal. C'est vrai que ça m'aurait mis de travers qu'on me dise non, mais bon, sur le principe, la table ronde, c'est pas obligatoire. Du coup, si je me barrais maintenant, je peux me barrer. En vrai, si vous partez, je vous casse la gueule, déjà. Et puis, alors, si vous partez maintenant, je vous raconte pas la réputation de péteux que vous allez vous taper. C'est vrai, mais en même temps, j'ai déjà une réputation de péteux. C'est pas faux.